Coucou les jeunes, petite vidéo nature champêtre. Voilà, je suis content de vous montrer une belle fleur. Une belle fleur qu'on appelle le lys de la Madone. Ouais, ça c'est les insectes. Le lys de la Madone. Alors c'est une plante qui a poussé sauvage tout au fond de mon jardin. C'est pas moi qui l'ai plantée, mais elle est vraiment belle. Et je vous la montre. Donc voici la jolie fleur en question qu'on appelle le lys de la Madone. Alors dans mon jardin, j'ai des petits insectes qu'on appelle des criocères et qui se nourrissent des lys. Donc tous les jours, il a fallu que je vérifie et je continue toujours à vérifier si je veux qu'elle reste belle. Et là, apparemment, il y en a d'autres qui demandent à fleurir. Ah, ce sera beau. C'est une plante qui peut faire allègrement plus d'un mètre de hauteur. Hein. Vous voyez ? Elle peut être assez haute, dont les feuilles sont abîmées. Ah bah, heureusement que j'ai vérifié encore. Hein. Elles se font manger par des insectes. Voilà. Le nom scientifique de cette espèce-ci de lys, c'est Lilium candidum. Et Lilium candidum, bien sûr, appartient à la famille des Liliacées. Plante vivace, à bulbe, qui fleurit tous les ans, fin printemps, début été. Et qui fait le bonheur des abeilles, des lépidoptères. C'est vraiment magnifique. Hein. Et tous les jours, je vérifie pour qu'elle reste le plus jolie possible. Et elle a poussé sauvage, naturellement, près de la rivière. Oui, elle a poussé sauvage au bord de la rivière, comme ça. Elle avait envie. Donc le lys blanc, qu'on appelle le lys de la Madone, nom scientifique Lilium candidum, plante vivace, herbacée, qui fleurit fin printemps, début été. Nature merveilleuse, j'adore.